la réputation qui pourrait faire de lui, elle, ou même lui, un mythe. C'est surtout une question de savoir-faire. D'abord, se préparer, puis réussir son entrée. Il pense qu'on est des barbares. Ne les décevons pas. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On pille, bien sûr, mais pas n'importe quoi. Prenez ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on épargne qui que ce soit, mais laissez-en au moins un. Lui, par exemple. Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui, maintenant. Eh bien, le bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Comment va monsieur Docteur Nintendo? Comment va mon cher T41? Le parrain. Mon cher Docteur Nintendo, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Vous m'avez manqué. Même si on discute tout de même sur le Discord, c'est vrai. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, live d'une heure et demie ce soir, hein, je pense qu'on va aller jusqu'à 23h tranquillement. On retrouve Eivor et on va commencer la mission que je n'ai pas pu commencer la dernière fois suite à un problème technique. Veuillez m'en excuser. J'en suis sincèrement désolé, mais ce soir, on est là, et Marvel's Avengers a été mis à jour. Merci PlayStation, merci beaucoup. Alors, ce qu'on prend pour acquis, alors si vous vous souvenez bien, il y avait une mission avec Randvi, et du coup, je vais amener Randvi à Grand Bridge. Pourquoi faire? On va le savoir tout de suite. Je vais Animal Crossing mentalimentationnantalement bien. Il me fait rire, Docteur Nintendo. Moi aussi. Alors, oulala, l'île de Madame Wam avance à grands pas. Il est temps que je vous la montre un petit peu. Hein. Parce qu'elle me dit qu'elle veut tout détruire. Donc, il faut que je vous la montre. Tu es chez toi de partout, Wam, oui. On est chez soi du moment qu'on est bien ensemble. Ne l'oubliez jamais. Alors, c'est quoi? Ce qu'on prend pour acquis? Randvi est lassé de passer son temps devant la carte des alliances. Un voyage dans le Grand Bridgeshire et une chevauchée dans la campagne lui feront du bien. J'aurais calé dans le grand mot, je suis sûr ça passait. Peut-être, Docteur Nintendo, peut-être. Mais bien entendu, heureusement que ton tout premier message n'est pas apparu, puisqu'on était sur la feuille de... Pas la feuille, mais la scène... la scène de... Comment dirais-je, d'intro du live. Heureusement. Alors, on va amener... Déjà, on va se mettre de jour. Hein. Pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons seuls. D'accord, on va pas prendre le navire. Est-ce qu'on va lui dire que Sigurd commence à partir en couille? Je ne sais pas. Elle veut tout détruire pour la mise à jour. Ben écoute, je crois que je suis Ken pour la mise à jour, en fait. Je viens de réfléchir et je vais t'expliquer pourquoi je crois que je suis Ken, Docteur Nintendo. Je suis Ken parce que l'île a été créée sur le compte de Madame Wam. Moi, je suis là en tant que visiteur. Tout en pouvant faire beaucoup de choses. Mais le problème est que c'est mon compte qui a le...
C'est une plaisanterie. Qui a Nintendo Switch Online. Mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. Donc s'il y a des trucs online, elle n'y aura pas droit. Et si je prends le DLC avec l'expansion pack, je pense pas qu'elle aura droit à l'expansion pack, puisque on n'a pas le truc familial. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Elle n'a pas de online, Madame Wham. Assez bordélique, ce truc, quand même. Impossible d'atteindre le chemin. Bon, on va se balader avec grande vie. Est-ce que t'as compris ce que j'ai voulu te dire, Docteur Nintendo? C'est bien par là? Oui, c'est par là. Par contre, trouver un chemin, là, ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin, là. Les gars, je crois que ça va être une galère. Si, c'est peut-être possible par là. Les flammes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne saurais te répondre. Moi, je me le prends cash, le DLC, donc j'aurai pas ce problème. Renseigne-toi chez Nintendo pour ta question. Effectivement. Sinon, je... Le DLC, elle aura accès... Je sais pas si elle aura accès... Si je prends le DLC... C'est trop bizarre, en fait. Comment... Il fonctionne bizarrement, quand même, hein, avec les... Avec les multi-comptes, ce Animal Crossing. Hein. Il fonctionne bizarrement. Par où je... Comment je fais pour y aller, là? Bordel de merde. Il est où, le chemin? Il est ici. Il y a des ponts quelque part ou pas, là? C'est trop bizarre. Je dois me rendre ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pont tout le long, là. Peut-être ici, c'est un pont. Je sais pas, on va voir. Ouais, ouais, c'est assez bâtard, quand même, cette histoire de online. C'est vraiment ravissant, ici. T'es 41, à quoi tu joues en ce moment? C'est dommage, non? Tu trouves dommage d'être prudente? Non, plutôt de vivre dans un si petit enclos et d'entendre les récits des éclaireurs, dont toi, sans jamais sortir du village. Il faut que tu montres l'île quand même. Ah oui, tout à fait. Ah, tu sens ça. Ah, mais elle a fait des trucs de fou. Hein. C'est agréable. Cet endroit est très bien gardé. Est-ce qu'à un moment donné, je peux traverser là? Parce que ça va être problématique, cette histoire. Faut prendre sa respiration avec tout ce qui va nous tomber dessus en jeu en fin d'année. Oui, effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec, avec toi, D41. T'as tout effacé du coup, toi, Docteur Nintendo? Attendez, j'ai vu des baies. Alors attendez, parce que là c'est juste la promenée, Randvi. Hein. Je trouve ça bizarre parce que c'est juste la promenée. Je trouve ça vraiment bizarre. Hein. Alors, où c'est que je pourrais trouver un pont là pour aller ici? Si je nage, je la retrouve ou pas? Est-ce que je vais pouvoir traverser? Un peu de Dirt 5, Clank, Rift Apart et d'autres comme jeux et d'autres jeux et d'autres comme jeux actuels. Ah, t'es sur Ratchet & Clank Rift Apart. Ça fait plaisir.
Attention, Rami. Oh, il y a la guerre. Derrière une table si longtemps que j'en ai oublié comment on manie l'épée. Cela a été ah ben oui, c'est vivifiant, mais. Je devrais te libérer une place à bord de mon navire. On peut pas passer là. Putain, mais sans déconner. Il y a une enfoirasse de cochon qui me fait des misères. Mais il se noie pas sans déconner. Il se noie pas cet enfoirasse. Il est mort ou quoi? Il est bugué. Il est bugué les gars, regardez. Il est bugué, il marche dans le vide et il se noie pas ce con. Là, qu'est-ce que c'est? C'est là que l'armée d'été s'est repliée après avoir perdu Grand Bridge. Est-ce qu'elle me suit comme ça? Oui, mais elle nage, ça va, j'ai pas besoin. J'espère que non. Je vois. Je connais cette région grâce à la carte. Ben j'avais déjà tout rasé et aplati. Terrain, donc je suis déjà en train de la refaire. Par contre, je suis riche comme Crésus grâce à mes deux Switch. Tu l'as acheté 80€ avec un truc japonais à 10€. C'est quoi le truc japonais? J'aimerais bien savoir. Allez, appelons le cheval. Où est notre cheval? Il est ici. On va pouvoir y aller. Allez, monte! Ah ben dis donc, c'est la croix et la bannière pour rejoindre ce point-là, tout de même. T'en déconnes. Bah ben, j'imagine pas si j'avais pu faire un... déplacement rapide. Nous ferions bien de rejoindre la maison longue. Donc il faut que je l'amène dans la maison longue. Très bien. Je prends note. Et tout a l'air neuf. Sous la direction de Soma, l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un petit village. Elle voulait un centre marchand proche de Lunden et un point de... C'était la maison de la meuf, je crois, là. Eh bien, c'est impressionnant. Et il y a quelques idées architecturales intéressantes. Alors, allons-y. Alors, n'est-ce pas Eivor que je vois là ? J'ai développé une technique par rapport au navet. Avec une Switch, je recherche un taux de navet très haut. Et dès que je le trouve, j'achète les navets sur l'autre Switch et je les vends là où le taux est au plus haut. Je me suis fait 50 millions quelques jours. Le truc, c'est que tu dois vite le revendre, le navet, sinon il pourrit si je me trompe pas. Hein. Cela faisait un moment que je ne t'avais pas vu par ici. Je te connais, non? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas? Oui, tu as bonne mémoire. Ravi de te revoir. Voici Ranvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Ranvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. C'est amusant, je l'avais déjà remarqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble? Oh, une bande de brigands teigneux campe près d'ici. À l'est, au bord de l'eau. Ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici, par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. La ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Je ne vois pas par contre... Je ne vois pas pourquoi... Franchement, je vois pas de quelle démo tu veux parler, T41. Parce qu'une démo à 10€, déjà les démos c'est gratuit. C'est quoi comme démo? Un jeu à... C'est une démo à 10€. Est-ce que t'as le titre, s'il te plaît, T41? J'aimerais bien savoir. Alors, on va l'accepter de l'aider, bien sûr. Nous pouvons nous occuper de Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'auteriez d'un poids.
Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du butin. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Eivor. Nous avons un campement à attaquer. Alors, un campement attaqué. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre ? C'est cela. Ben justement. Promenade dans la campagne ? Probablement. Je me suis étonné moi-même. Il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour éveiller ta soif de sang. C'est un sentiment que tu dois bien connaître. Ben justement, il n'a pas le temps de pourrir car j'en achète 4000. Je vais sur l'autre île où le taux était à 499 les 10 navets. Je les vends, je retourne sur l'autre île, j'en rachète. Sans déconner. Ah ok, c'est là-bas. Parfait. Donc faut sortir du village et aller à gauche. Ça sent la guerre, les gars. Éliminer les bandits. Quelque chose de plus intéressant. Nous allons aider Magni en le débarrassant de ses brigands. Mais pas de folie lorsque nous les trouverons. Non, pas une démo, un rendu. En fait, ça s'appelle aussi Ratchet. Tu la trouves sur PS5. Ah, j'ai presque l'impression que tu te moques de moi. Un autre Ratchet sur PS5. Je ne moquerai jamais ton imposante autorité. Est-ce que t'as le titre T41 ? L'optimisation à son paroxysme, effectivement, Docteur Nintendo. Là, j'avoue que t'es le loup de... Le loup de Wall Street. 250 mètres, la bagarre. On veut la bagarre. On veut la bagarre, les gars. On veut la bagarre. Très bien. Ne t'éloigne pas et fais comme moi. Donc c'est celui-là. D'un air menaçant. Voilà, exactement. C'est celui-là de quand ? Il m'a vu ? Je l'ai défoncé. Merde, j'ai plus de... Oh là là, comme je l'ai défoncé ! Oh là là, le gros ! La caméra a bugué tellement je l'ai défoncé. Ah, ça m'avait manqué. Éclatage de tête. Éclatage de tête, les gars. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Oh, j'ai eu les deux en même temps. Ouh, ça m'avait manqué d'éclater des têtes, les gars. Dans l'option Play Plus, à côté du jeu. Attendez, parce que ça m'intrigue. Attendez, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Si je vais sur Ratchet & Clank, ça dit quoi ? Putain, il est désinstallé. Est-ce que je l'ai là, Ratchet & Clank ? Oui, il est là. Afficher le jeu. C'est où que... Voir le produit ? Contenu multimédia. Ah, c'est ça. T'as acheté ça, en fait. L'édition Deluxe numérique. Ratchet & Clank Rift Apart. 5 armures. Autocollant pour le mode photo. 20 unités de raritanium. La bande-son numérique. L'artbook numérique. Et des matériaux d'amélioration à utiliser. C'est ça que t'as acheté, c'est l'édition Deluxe du numérique, en fait. Est-ce que c'est ça, T41 ? Oh, c'est pas fini.
Oh, c'est pas fini. Il y a encore des vilains. Il y a encore des vilains. Viens là, espèce de barbu. Alors, il est où le cheval de Manny? C'est celui-là? Allons rendre son cheval à Magni. Et même pas le matin. Même pas le matin. Non, c'est un produit à 10 euros. Mais je ne comprends pas tes 41. D'autres villes qu'il faudrait libérer? Tu ne crois pas que cela suffit pour une journée? Nous ferions mieux de rentrer à la colonie. Ah oui, je veux bien que tu vois tes 41, s'il te plaît. Notre victoire. Oui, chez nous. Tecla, tout l'hydromel et toute la bière qu'il faut. Eivor, notre sortie commence à peine. Trouvons-nous une taverne et installons-nous? Commençons par aller rendre le cheval. Si tu as toujours soif, nous verrons. Oh bah ça va, on est arrivé vite. Je pensais pas que c'était aussi proche. Ils sont en cadence là, les deux chevaux, sans déconner. Hein. L'animation, c'est la même. Il va être content ou pas, d'après vous? Je t'ai ramené ton canasson, Manny. Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai? Formidable! Et avez-vous retrouvé ma jument? Oui, elle t'attend dehors. Les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah, merci, Eivor. Ainsi qu'à ton amie Ranvi, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Eivor, viens ici. Regarde ça. Quelqu'un a soif? Tu as vraiment l'intention de t'enivrer? J'ai plutôt l'intention de t'enivrer, toi. Allez, oh, viens. Oh, concours de boissons. À vrai dire, oui, mais à quoi joues-tu encore? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Ranvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors, reine de l'hydromel. Très bien. Allons-y. Buvons. Formidable. Je suis en avance. Oh putain. Il faut se concentrer. Concentré, c'est un truc de fou. Quoi, j'ai perdu? Oh, une corne de plus et je me noie. Ah, je suis la reine de l'hydromel, fléau des loups et des barriques. Je t'avais dit que je te ferais rouler sous la table. Alors, contente de toi? J'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Oh, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt alors. Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis tout excitée. Oh, ça se voit. Oula, il va se passer quelque chose de spécial bien, là. J'espère te revoir
Bonsoir, chef Puma. Comment ça va, chef Puma? Bon retour. Alors, comment ça marche là? Elle me demande d'aller dans un endroit spécial. J'espère qu'on va pas la tromper. J'espère qu'on va pas tromper Sigurd avec Randvi. Randvi, c'est bien la femme à Sigurd. Je me trompe pas, chef Puma. Allez, je vais prendre mon cheval. Elle veut me montrer un endroit assez spécial. C'est bizarre. Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta vie. Impossible à atteindre, ils me disent en plus. C'est où? Bon, ça va. C'est ici. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme. C'est laquelle de sortie? C'est celle-là? Je le porterai avec fierté. Ben ça va, vacances en fin demain pour mon premier examen de l'année. Après mon premier examen. Donc demain, t'es un examen, c'est ça? Demain en vacances, donc demain soir. Mais écoute, moi ça va, chef Puma, je te remercie beaucoup. Attendez, il est où le pont? Oui, il est juste en face, le pont, c'est bon, c'est bien là. J'aspire enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure, l'heure est au repos. Examen de maths, oui. Est-ce que tu te sens prêt, chef Puma? Je me demandais une chose, entre Soma et toi... Y avait-il plus que de l'amitié? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle. Nous sommes devenus proches, très vite. C'est ce que tu veux savoir? Proches, mais ils ont pas fait grand-chose, hein, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous? Quelle est donc cette question, voyons? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela décevant. À ta place, j'aurais tenté ma chance. Eivor lié à une intrépide Jarlskona menant son armée vers la victoire et la prospérité. Une union plutôt flamboyante, ne trouves-tu pas? Je vais faire comme si tes dernières paroles se noyaient dans le vent, Randvi. Si tu y tiens. Encore heureux que je me sens prêt, mais c'est toujours stressant le premier. On sait pas à quoi s'attendre. Si tu te sens prêt, chef Puma, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Putain, mais j'arrive jamais... Mais c'est fou parce que... Ah, elle est ici? Qu'est-ce qu'elle... Elle est montée, elle est descendue, qu'est-ce qui se passe? C'est ici le point? Elle veut m'emmener dans un endroit romantique, là, je comprends rien. Et non, c'est à 300 mètres, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle fait? Il m'a tué mon cheval, lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en rond, bordel de merde. Ah, bug. Il y a un bug, chef Puma? Mais monte! Oh putain, mais sans déconner, oui, un bug. Un bug pas du live, un bug avec... Putain, mais sans déconner, mais monte! Attendez, là, elle court. Oui, c'est bon. Ah, oh, je me souviens plus trop de ce qui doit se passer, là, mais ça me paraît bien bizarre. Ben oui, elle veut m'emmener dans un endroit romantique, je trouve ça bizarre, c'est la femme à Sigurd. Me dis pas que... Me dis pas que elle a la fouf qui frétille quand même. Regarde, ce doit être la tour. Empruntons le pont. D'accord, empruntons le pont. Mais il est où le pont? Là-bas. Oui, le pont ici, très bien. Comment on fait pour y aller là? Alors T41, est-ce qu'il a réussi à trouver le jeu, la démo pour 10 euros là? Elle est aussi belle que dans les récits de Suniva. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois.
inconsciente de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Bien. Parti. Franchement, je suis assez perplexe de ce qui va se passer. Oh, allez ! Regarde où tu mets les doigts. Ces pierres sont... Je sais vraiment pas. Dis donc, tu grimpes bien pour une plieuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maison longue et planté les clous des navires. Mes mains sont encore calleuses, d'ailleurs. Faut que je l'attende... Faut que j'attende qu'elle monte, c'est ça ? Elle est où ? Oui, elle est ici. Ok, elle est au-dessus maintenant. Je crois pas avoir fait le meilleur choix, moi, après. Bah écoute, je vais faire un choix en mon âme et conscience. Que se passe-t-il alors ? Je crois que t'as raté Docteur Nintendo, chef Puma. Il était là tout à l'heure. Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'escaladais les hauteurs derrière les bois. Tu as le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais. Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une Jomsviking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan. À piller ou à voyager. Ou nous nous serions affrontés au combat. À piller, brûler, violer. Pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui. Tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'y oblige. Restons ici tant que tu le souhaites. Sous la pluie ? Oui. Oh ! Oh, mais que se passe-t-il ? Oh, non, je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel, ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. Je ressens la même chose. Ce n'est guère le moment. Je tiens à toi en tant qu'ami. Ouh, une flèche à travers le cœur. Est-ce que ça veut dire qu'on pense à notre amour ou est-ce qu'on va briser le cœur de Sigurd ? Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre de Sigurd. On l'aime bien, Randvi. Tes paroles me touchent, Randvi. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais j'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part, de te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, vu et ri. Tu m'as montré ton monde, pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas joli, joli, on tape la belle-sœur. Oh, c'est pas joli, joli, sous la pluie en plus. Avec un combo x4. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien ce qu'on a fait. On mérite des coups de fouet. Ouh là 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 là, c'est pas bien. Deux points de compétence pour avoir fait tir-li-pimpon sur le chihuahua.
avec la belle-sœur. Honteux. Mais du coup, j'ai peur qu'en ayant choisi ça, j'ai des répercussions sur la suite de l'histoire. Non, je pense pas. On sait que de toute façon, d'après la voyante, ça va partir en cacahuète entre Sigurd et... Entre Sigurd et Eivor, de toute façon. Donc, on est au courant. Allez. On va aller choisir un nouveau... une nouvelle région. Hein. On va aller choisir une nouvelle région. C'était où? C'était ici, je crois. Hein. C'était bien là. On va aller au poignard. C'est pas bien ce qu'on a fait. Hein. C'est vraiment pas bien. Ouh, on va à Asgard. Je sais pas si j'ai le bon niveau pour aller à Asgard. Alors, j'ai level combien? Level 91, ça passe Asgard là. Dégâts discrets, et après j'ai quoi? À distance. Empoisonnement. Évitement. Dégâts d'aptitude. Dégâts à distance. La hache à crochet. Est-ce que c'est l'arme que j'ai? Tire à la tête. Résistance au corps à corps, je prends. Dégâts légers. Le miasme, c'est quoi ça le miasme? C'est un crachat le miasme. Oui, c'est level 90, c'est ça, chef Puma. Les ennemis tués par vos attaques empoisonnées libéreront un nuage toxique qui attaquera ceux qui le pénétreront. Ça c'est quoi? On sait pas encore. Un assassinat avancé, carrément, pour faire plus de dégâts. L'attaque au sprint. Va falloir que je la fasse, l'attaque au sprint. Hein. Pas déconner non plus. Et là, je suis un peu perdu dans le bordel. Butin comestible. Je sais plus quoi choisir. Bon, de toute façon, j'ai 0 point de compétence, je vais pas aller bien loin. Oui, c'était level 90. C'est ça. Bon, on va aller plutôt... Asgard, je pense qu'on le fera après cette nouvelle région. Parce que je pense que je suis un peu just pour Asgard. Honnêtement, je prends au pif, moi, les compétences. Je regarde un petit peu, quand même, ça se voit. Alors, est-ce qu'elle va nous parler de notre étreinte? Est-ce que ça se dit, étreinte? Ranvi, tu es parti si soudainement. Il en parle. Ici, comme toujours. Je vois. Mais ne crois pas que je t'ai oublié, ni la merveilleuse journée que nous avons passée. Ah, c'est ce que j'espérais. Bien, nous voyons les choses d'un même œil. Et d'un même cœur. En effet, en effet. Jusqu'à nos prochains instants, reprenons notre tâche. L'Angleterre ne va pas se pacifier toute seule. Certes non. Alors au travail. J'ai fait à moins de 90 Asgard car j'étais beaucoup trop impatient de voir la suite là-bas. Oh, attendez, on peut l'embrasser. L'inviter à aller au lit, tiens. Devrions-nous passer dans ta chambre? Pas la peine. Pas la peine, elle lui a dit. Oh, ça va partir en cacahuète, les gars. Quand Sigurd y va revenir, ça va partir en cacahuète. Moi, je vous le dis. Ça va partir en sucette. Ouais, j'y retourne. Qu'est-ce qu'il y a? Direct. Approche. Ça s'arrête plus, les gars. Ça nous avait manqué.
ne s'arrête plus. Au secours. Oh, comment s'en déconner. Alors, on va quand même regarder la carte un petit peu. Hein. Tu peux regarder la carte. Alors, on avait dit quoi? Level 90 ici, et là, c'est level 130, donc j'ai pas le choix. Ça va se passer à Luden, notre histoire, et on va découvrir... Que sais-tu sur cette ville? Une cité animée. Alfdan Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années, mais elle résiste à toute conquête. Aitam prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange. L'Ordre des Anciens. Ah, c'est Londres, Luden! Ah oui! Cela pourrait aider les habitants honnêtes de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. Ok, ben go pour Londres. Ben je savais pas que c'était Londres, Luden, Lunden. Ben oui, forcément, ça ressemble. Bien, j'attends ton retour. Allez, go, c'est parti. Allons voir ça. Allons voir ça. Alors, déjà, est-ce que j'ai un point rapide? Est-ce qu'il y a un point rapide pour aller à Londres? Je peux gagner du temps peut-être en allant là déjà. En allant là même. Tant qu'à faire. Luden, London. Ouais, ça ressemble beaucoup. Oui, mais oui, London, effectivement. C'est vrai, chef Puma. Sans déconner. Go, c'est parti. J'ai hâte de voir si c'est une grande ville ou pas. Je peux me jeter encore ici ou pas? Bon, là, ici, j'ai pas compris comment on pouvait aller buter ce mec. Je sais pas où est l'entrée. Hein. Je dois redoubler de prudence par ici. Ah, mais elle est pas là, l'entrée? Elle est pas là, l'entrée? C'est trop bizarre. Yeah, le mec est là. Ouais, j'avais... Ouais, j'ai jamais trouvé non plus. Ah, t'as jamais trouvé toi non plus pour ici. Hein. Je sais pas, peut-être une compétence pour casser un mur ou quelque chose. Je ne sais guère. On va descendre. Oh là là, oh là là. Alors on va prendre le cheval. Du coup, wam, je retrouve ma Switch dès demain. Dès demain. Est-ce que ça sentirait pas le wam smash kumite, ça, par hasard? Est-ce que ça sent le wam smash kumite, chef Puma? Et serais-tu prêt à mettre ta ceinture en jeu? Et jusqu'au 31 octobre. Ah, mais c'est cool ça! C'est cool. Est-ce qu'elle te hype le DLC de... Est-ce qu'il te hype le DLC de Animal Crossing, chef Puma? J'aimerais bien savoir.
Absolument pas. Je joue plus du tout à Animal Crossing. Pourtant, il t'avait plu, non? T'avais plus Animal Crossing. Ouais, mais je sais pas, le jeu, il m'a un peu saoulé et j'ai plus envie d'y jouer. T'aurais pas dû écouter Dr. Nintendo. Non, mais après, c'est vrai que tu fais vite le tour. Hein. De toute façon, j'ai plus ma Switch, donc le DLC, je le prendrai pas. Effectivement, ça règle pas mal de choses, Chef Puma. Ça règle vraiment pas mal de choses. Ouh, oui, effectivement, grosse ville, là, à Londres. Donc, on m'a dit de pas rentrer, hein. Ah ouais, carrément. Mais ça fait... Que se passe-t-il ? Patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein ? C'était quoi ce saut là ? Voilà, trésor. Oh, ça a l'air d'être un gentil, lui. Tu reprendras bientôt ta route. Tu as le talent d'un berger, à ce que je vois. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux t'être utile ? Qui dirige ce bourg ? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre ? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Oh, guerrier du Nord. Ça sent la bagarre. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne ? Sale bouseux lui a dit. Nous discutions là. Allons ! Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, il dépose une requête. Une requête ? Oh putain, c'est un enfoiré. Rien tu peux dire à ce marchand de crottins ? Ah ! Que s'il veut sa pomme ! Qu'il vienne la chercher ! Ah, il l'a mis dans son slip. Viens chercher ! Mis dans son slip, les gars. On dirait chef otaku. Ouh, j'aime bien. La bagarre. Parfait. Oh, j'ai contré là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait éclater le stow ? Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu ? Très bien, tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça ? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan, celui du Grand Corbeau. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lundel. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose ? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lundel. Tiens, un combattant solide, on va lui dire. Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. J'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. La flatterie n'est pas dans mes habitudes, tu sais. Eh bien, ta franchise me va droit au cœur. Allons voir ton gouverneur, Stowe. Il a l'air d'être un homme qui gagne à être connu. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Bien, alors on va faire la rencontre Cogneur de brigands ?
Marteau danois. Cogneur de brigands. Nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Néné. Eh bien, j'ai une. On va voir ce Londres un petit peu. Mais un allié de choix. Alors voici Lunden, une ville bâtie par des géants. C'est plutôt pas mal. C'est une vieille cité. Ouais, une grande ville. Ça fait plaisir. Si dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwatch, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Elle n'est pas prête, n'est-ce pas? Non, 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 mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez. Oh, il y a une colisée et tout. Devenu un magistrat téméraire de Lunden. Mais les Romains, sont montés jusqu'à où? Franchement, ils sont montés jusqu'à où, les Roumains? Les Roumains. A fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installé à Lunden pour... Tu me diras, il y a bien eu Astérix et Obélix en Angleterre, non? J'ai connu Erk. Et maintenant, le magistrat, nous parcourons la ville comme des pères veillant sur... C'est vrai que franchement, je trouve la map assez vide. C'est la seule grande ville, quoi, Lunden. Ben oui, effectivement. On n'est pas habitué à avoir une grande ville comme ça, mais tout est éclaté. Regardez-moi les routes et tout. C'est vrai que comparé à Rome, dans sa... Pas comparé à Athènes, ou plutôt à la map en Grèce, on est sur quelque chose de neuf, quoi. Regardez-moi ça, tout est délabré, c'est dégueulasse, on se croirait dans The Last of Us. Votre grosse 1 en plâtre est de retour. Re le docteur Nintendo. Il y a ton frère dans le chat en plus. Et ce sang étouffrait. Ton frère ennemi. Que s'est-il passé? Oulala, là là, il y a eu la guerre. Oulala, là là, du sang de partout, les gars. Beaucoup de sang. Ignoble. Il y a eu la guerre sans nous. Nous ne leur pardonnerons jamais. Mon Dieu, non. Non, non, non. Il a fallu trois flèches pour le tuer. Les deux autres sont des insultes. Oh Seigneur, conduis ces hommes là où la... Putain, les flèches, vous avez pas vu. Et les inondera. Oh putain, la tête immonde. Oh, elle n'y est plus. Pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être un tueur pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. Oh putain, mais vous avez vu? En fait, c'était Trigre. Est-ce le corps de Trigre? Ben oui, effectivement, on va poser la question, parce que là, on est dans la merde. Et le poteau à Stowe, il demande de soumettre le peuple, ça veut dire qu'il va le remplacer? Elle est pas mal. Oh là là, l'histoire commence fort, là. Vous avez vu ce cadavre? Salut, Walibi, comment ça va? J'espère que tu vas bien, mon Walibi. Mon Walibi sauvage. T'as loupé Wam qui se tape sa belle-sœur. Et plutôt deux fois qu'une, hein, j'ai envie de dire, chef Puma. Tu en es témoin. Tu en es témoin. On y a été, on y est retourné. Hein. Alors, est-ce le corps de Trigre? S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre. Votre gouverneur, non? Dieu du ciel, cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson, oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Il était venu rencontrer Trigre, afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. Je crois qu'il n'a plus de sang dans le corps, là, les gars, vu comme il est rouge. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Une lettre. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Oh, mais Wam, d'ailleurs, ne serait-ce pas bientôt Halloween? Effectivement. Est-ce qu'on se fait un truc spécial jeu d'horreur? Il dirigeait cette ville. On va examiner le corps. Mon Dieu. Qui a-t-il? Les âges salaces d'une maîtresse. Cette lettre. Quelqu'un tenait à ce qu'on la voie.
De Rome est venu un ordre d'hérétiques vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erk, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne trois de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. C'est meurtrier, j'imagine. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? De plusieurs. Donc j'arrive à voir ce qui s'est passé. Oh là là, inspecteur Wamolombo est là. Mais The Evil Within 2, t'avais dit. Mais je pourrais pas le terminer en une soirée, Evil Within 2. Je ne peux pas, chef Puma. Et mon Walibi, il est où mon Walibi? Oh, Walibi! Comment ça va, Walibi 20? Tu n'es plus là, déjà? Alors, que s'est-il passé ici? Est-ce que je peux récupérer le truc? Tiens, je peux pas voir la tête, là. Mais pas grave, tu le recommenceras jamais, sinon. On se fait la patte-patrouille, au pire. Alors, attendez, je vais... Non, je veux pas faire ça. Voilà ce que je voulais faire. Alors déjà, est-ce que j'ai un truc à fouiller ici? Ah, je me suis mis sur le corps carrément. C'est dégueulasse. Tu pourras finir un jeu en une soirée de toute façon. Ou alors c'est un jeu de type Adibou. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Lettre à Oubé. Mon chef, mon ami. J'espère que ton humeur est bonne par ce beau temps. S'il n'y fait jamais aussi froid qu'en Norvège, il pleut presque tous les jours à Lunden. Je me sens aussi frais et humide qu'un poisson, c'est un malaise courant ici. Cependant, les murs tiennent et nos gardes mangés sont pleins. La tâche de viking ne me manque pas. J'ai vu assez de levées de soleil gorgées d'or, mais je suis prêt à me reposer sur mes lauriers et à profiter des ribaudes de la ville. C'est quoi une ribaude, les gars? Je peux pas... Faut que je sache, les gars. Faut que je sache. Je vais taper ribaude sur Internet, tiens. Ribaude. Une personne débauchée. Je crois que ça veut dire que c'est une prostituée, non? Ou une fille facile. Si tu te lasses de dormir à bord d'un navire ou de traîner Ivar comme un nœud coulant autour de ton cou, il y aura toujours un trône pour toi ici, ton frère d'armes Trigre. Oh putain! Qu'est-il arrivé à la villa? Donc il faut fouiller. Il faut donc fouiller. On va se prendre des flèches. Tu peux jouer à Aladdin et les 40 voleurs de virginité. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous, assis sur nos lauriers, pendant que Eivor fait tout le travail. Inspecteur Wamolombo est de retour, les gars. Ici, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Fouiller, il y a du sang. Des outils de barbier, tranchants et précis pour faciliter le travail. D'accord. Ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Ivar, ma waifu! Non, tu peux jouer à Cheerfucker Wham, au pire pour Halloween. Alors, ici je peux rien fouiller, hein. Putain, là les flèches elles ont traversé et tout, hein, sans déconner, c'est abusé, hein. Mais je crois qu'il faut lui parler à lui, non? Faut pas lui parler à lui? Oh mais il y avait un coffre, je suis passé à côté sans déconner. Fouillons. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a quelque chose dans l'axe ici, là. C'est des traces de pas. Empreintes de pas. Deux moyens. Et un très grand.
D'accord, donc il y a une personne avec deux... Ah ouais, un très grand bonhomme avec un... avec deux autres personnes de taille normale. Cher fucker dans Smash. Allez, il m'en reste un. J'ai regardé celle-là pourtant. Celle-là, c'est fait. Les outils de barbier, c'est ok. La silhouette ici, c'est ok. Où est la dernière? Lettre de Oubé, c'est fait. Est-ce que c'est à l'extérieur? Ça peut être à l'extérieur? Non, c'est à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Purée, quand j'ai galéré pour trouver le dernier indice, alors que c'est un truc trop con. Oh là là, alors si c'est un truc trop con, et c'est ici normalement. C'est pas ici. Alors attendez, c'est un truc trop con apparemment. Un truc trop con, le dernier indice. Ça pourrait être quoi? Un truc trop con. Ça se passe ici. On est d'accord que cette personne fait un salut, Zida. Non? Qui ça? Attendez, mais c'est là? C'est ici le dernier indice, non? Qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Elle a été rajoutée? Elle a un couteau dans les mains? Ça a l'air d'être une femme. C'est bizarre. Inspecteur Wamolombo en action, les gars. Qu'est-ce que ça peut être? Un truc trop con. Enfin, non, pas trop con. Faut un peu de recherche quand même. Ah, peut-être en hauteur. Oh putain, ouais, ben d'accord. Peut-être en hauteur, vous avez vu. Effectivement, il y a un pendu, les gars, là-haut. Il y a un pendu. Alors, on va essayer de grimper ici. Ah oui, effectivement. Voyons voir, il y a un pendu. C'est assez macabre, cette scène, tout de même. Je trouve cette scène assez macabre. Putain, c'est dégueulasse. Putain, il est pendu de haut, en plus, hein. Il est pendu haut et court. Bon, voyons voir ça. On vit pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre? Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde, pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Je crois que j'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à trois, en direction de la cour. C'est pas mal. La lettre parle de trois hérétiques mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. Trois noms, trois meurtriers, comme tu le disais. Par les bourses de Baldur, ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à Lunden. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à Lunden non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc.
C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là ? Je le connais. Il vient du temple mithraïque. Je suis passé devant en venant ici. Qu'est-ce qu'un temple mithraïque ? Ce temple mithraïque, c'est une église ? Une église ? Par Dieu, non. Mithra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il est... Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Il reste pas grand-chose à préparer, hein. Ça pue ici. On y va, Broga. Et c'était pas mal ce système de cinématique pour savoir ce qui s'est passé. Et on peut pas faire de gros plans. Ah, les enfoiros. Ah ouais, ils ont été malins. Tu peux pas faire de gros plans sur le cadavre. Ah, c'est plutôt bien fait, on voit la colonne vertébrale et tout. Hein. Vous avez vu, dès que ça zoome trop près, ben en fait, ça zappe le siège. Ah, le mode photo, bien vu! Bien vu le mode photo. Et là, on voit la colonne vertébrale. On voit la colonne vertébrale ici, là. Là. Là, c'est la colonne vertébrale. C'est pas mal. Cours d'anatomie avec le WAM. Ça, c'est la trachée. La trachée et l'œsophage. Ici, là, ce trou-là. C'est bien foutu, hein. C'est bien fait, hein. Et franchement, c'est quoi comme... C'est une tête d'autruche ou quoi, là, ce squelette ? Putain, non, mais il a pris cher, hein. Il a pris cher, hein. Tiens, on va faire une photo, comme ça. On aura fait que des photos sanglantes, nous, franchement. Voilà ce qu'il peut devenir, voilà ce qu'il peut advenir si tu trahis le WAM. La malédiction du Black Earth Island est réelle. Un kraken a émergé et a sabordé leur navire qui envoyait tout l'équipage au casier de David Jones. Un équipage de pirates et de raiders vérifie leur flintlock et affûte leur cutlass. Alors qu'ils débarquent pour Black Earth Island, on s'est fait défoncer les gars, je crois, sur la chasse. Tiens, je vais prendre en photo aussi le pendu. J'aurais fait que des photos morbides hein, dans ce Assassin's Creed Odyssey. Hein. Une véritable honte, le WAM. Le WAM qui observe un peu trop les cadavres. Bon, je te comprends. Moi, je préfère le faire avec des cadavres de crabes. Bon, ça y est, j'ai pris mes photos. On est bien. Je peux quitter. Parfait. Alors, trouver l'entrée du temple. C'est parti. Alors, où est ce temple mithraïque ? Oh, ça fait plaisir de retrouver la ville, franchement. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer. Alors, c'est où ? Déjà, c'est dans... Ah, c'est ici. C'est par là. Si les magistrats changent d'avis... Ok, ça se passe ici. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Sto paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Ah, il prépare déjà son plan, Ivor. On va passer de journée, déjà. Eh, c'est le fail pour moi. Qu'est-ce qui se passe avec le... Ah oui, le gif fail pour Chef Puma, il part un peu en cacahuète. Je le vois tout aplati. Par contre, celui de Dr. Nintendo est très très beau.
Docteur Nintendo a remporté les 666 points. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai combien de points, moi? Le temple de Mitra. On se rapproche, les gars. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Ok, je me suis fait cramer direct, je crois. Où est l'entrée, les gars? Moi, je dirais que l'entrée est là, hein. Je dirais que l'entrée est ici, moi. Magnifique! Qui est derrière l'ordre? Ouh, on va apprendre des trucs. On va apprendre des trucs. Il manque la commande E quand même. Oh, une commande E. Ouh là là. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des ennemis? Non, par contre là-bas il y a quelque chose d'important lié à la quête. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre parlant du paiement d'un forgeron. Ah non, on va pas créer une chef Puma, quand même. On va pas créer une Alors attendez. Ici, il y a encore des... Il y a des points importants derrière. Par contre, il va falloir passer par... Il va falloir faire le tour certainement par là. Qu'est-ce que représente cette statue? Alors, il y a un chien. On dirait qu'il y a un serpent qui se nourrisse du sang que le... C'est quoi? C'est un cheval? Veuillez m'excuser. C'est sacrément nul la modif d'Imote avec les points. Ah ouais, ah c'est toi qui as fait la modif d'Imote. En fait, t'as fait que aplatir l'Imote, hein, c'est tout, hein. Ah oui, d'accord, tu as le fail à l'envers. Alors attendez, je crois que c'était ici, là. Putain, il y a des points de partout, en fait. Alors ici, on va casser. On va peut-être casser avec la flèche, non? C'est ça. Si je gagne au prochain Super Wham Party sexuel, je demanderai une commande U. Et non, je peux pas le faire, ça. Interdit au moins de 18 ans, Docteur Nintendo. Bon, j'ai ouvert la porte, très bien. Voilà mes autres indices. Des messages entre le compas et la sangsue. Soigné, étripé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais c'est le compas qui ordonne les meurtres. Très bien, je prends note. C'était un médecin qui disait... Leiber Anticae Deorum, voici la triste nature de nos origines. Une commande morsure moins de 18. Ça peut être possible, Docteur Nintendo. Ça peut être possible. Voici à qui votre loyer... À qui va votre loyauté? Le père de la sagesse nous guide. Au nom de Mitra, le dernier guerrier, allez dominer, revendiquer le monde qui nous appartient. Très bien. Ouh, c'est un live de Wamolombo là, les gars. Mais ma E morsure en anglais. Pour moi, ça passe, hein. Une morsure en emoji, ça passe. Hein. Ça sera un nom de code.
pour le mot... Bon, il y a un trésor. Très bien. Et non, mais là, là c'est bug de nouvelle quête. Ça commence à me gonfler, les gars. Je crois qu'on va jouer en mode hors ligne. Parce que là, ces quêtes à répétition qui pop, ça commence un peu à me saouler. Mais vraiment à me saouler, hein. Alors, où allons-nous ? Ici. Du mal à comprendre l'endroit où on est, là. Alors, ici. J'avais pas vu ici, tout à l'heure ? Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Ok. Le compas gère la saucisse. Donc on peut retourner voir... J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Erke et à Sto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sunin aura de quoi festoyer. Mais attendez, je comprends rien. Par où j'étais passé ? Il y avait une faille quelque part. C'était là ? Oui, c'était là, c'est bon. Les gardes sont vigilants par ici. Allez, on va s'enfuir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. J'ai pas que ça à faire. Laissez-moi tranquille. On va retourner voir... Stow et RK. Ils m'ont vu là ou pas? Ça y est, je crois que je les ai semés. J'ai envoyé un truc sur Discord. En fait, c'est un logiciel. Il y a toutes les musiques du jeu et des bonus. C'est ce que je t'ai dit, T41. C'est... On va remontrer à T41. On va remontrer à T41. C'est donc bien ça, c'est ce que je t'ai dit. Attendez, voir le produit. Voilà, c'est ce que t'as acheté. T'as acheté l'édition Deluxe numérique pour 10€ de plus. Tu as le jeu Ratchet & Clank Rift Apart, 5 armures, des autocollants pour le mode photo, 20 unités de Raritanium, la bande son numérique, donc c'est ça. Et le logiciel, c'est le artbook numérique en fait. C'est plein d'illustrations si je me trompe pas. T41 et des matériaux d'amélioration à utiliser. C'est ça. Et le gros du DLC, en fait, c'est les 5 armures qui sont totalement cosmétiques, hein, puisqu'elles n'apportent aucune compétence en plus à Ratchet. Donc c'est ce que je t'avais dit, T41, effectivement. Ou alors dans la boutique... On peut acheter du lubrifiant pour que ça fasse moins mal. Ça, j'accepte, Docteur Nintendo. Tout à fait. Il faut jouer avec des sous-entendus, Monsieur Docteur Nintendo. À vous de réfléchir, mais par contre, l'émoticône, si je le change, ça sera à la place du fail. Soyez-en conscient, parce que vu qu'on a seulement... Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin. Des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer. Mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras.
Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste? Alors, je vous explique. Oui. Le problème, c'est que nous avons trois subs. Nous avons trois subs. Nolan, Chef Puma et Docteur Nintendo. Donc, trois subs qui soutiennent la chaîne Twitch. Donc, je vous explique. Pour avoir plusieurs emotes, je crois qu'il faut atteindre 10 subs. Pour avoir droit à 2 emotes ou 3 emotes personnalisées pour chacun des subs, il faut atteindre 10 à 15 subs, si je me trompe pas. Le truc, c'est que si vous voulez qu'on change d'emoticône personnalisé pour les subs, j'en ai droit à qu'un pour le moment, parce qu'on est au-dessous de 15. Donc si je change 10 subs au total, je crois. Il faut atteindre 10 subs, même si les gens ne sont plus subs. Donc ça veut dire que vu qu'on est 3, peut-être que dans 3 mois, vu qu'il y a eu 3 renouvellements, on aura droit certainement à un emoticon en plus. Je pense que ça fonctionne comme ça. On aura la certitude que le mois prochain, que les subs s'additionnent chaque mois. Ah, tu parlais dans la boutique. Ah non, oui, la boutique, on peut faire ce qu'on veut. Je pensais qu'il parlait de l'émoticône. Bah, c'est bon. Ah, ben, on va y arriver, normalement. Oui, normalement. Je l'espère, en tout cas, Chef Puma. Avec avec beaucoup de plaisir, en tout cas, de votre soutien. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était que oui, c'était par rapport à l'émoticône que je parlais. Et donc, Dr. Nintendo, oui, dans la boutique, je peux, ça, il n'y a aucun problème. Je peux rajouter un gif lubrifiant, mais il risque de coûter très cher, les gars, parce que les gifs comme ça, c'est pas donné, je vous le dis. C'est au moins 10 000, hein, comme le gif de la honte, les gars, sans déconner. Hein. Alors, la flèche est un Danois. La sangsue achète des esclaves, le compas est leur chef. On va dire que le compas est le chef. Ça, j'en suis sûr. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc. Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin et se fait discret. C'est possible. C'est peut-être tôt le compas. Le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. La flèche est un Danois. Il me dit oui, c'est exact, t'es 41. Mais oui, c'est exact. Je me tue à te le dire depuis le début du live. Ce n'est pas une démo, c'est un. C'est même pas un DLC, c'est juste des éléments additionnels. C'est considéré comme une édition de luxe, en fait. La flèche est un Danois. La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Comme par hasard, lui, c'est un archer. Qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. En tout cas, ça commence fort. Je sais pas ce que t'en as pensé, Chef Puma, pour Londres. Mais Londres, ça commence très très fort. Hein. Enquête, meurtre et compagnie, ça me plaît beaucoup. Hein. La sangsue achète des esclaves. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erk. Ok. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur bord devrait ramener le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. Je sais pas, mais Stowe, je le sens pas. Il est trop gentil. Vous allez voir ce que... Vous allez voir si j'ai raison ou pas plus tard. On va aller faire d'abord le point. On va aller faire le point, les gars. Comme ça, on n'aura pas besoin de... On n'aura pas besoin de se casser la tête pour revenir à Londres.
Alors c'est où? C'est ici? Ouais, c'est quand même assez haut. C'est... Putain, mais il y avait un colisée et tout. Mais franchement... Les... Comment ça s'appelle? Les Romains, ils étaient montés jusqu'en Angleterre? J'ai un vrai... Va falloir que je me renseigne, les gars. C'est pas possible. Va falloir que je me renseigne. Mais le lubrifiant, oui, c'est possible. Je peux vous trouver un gif de lubrifiant. Ça pourrait être... Ça pourrait être... Non, non, mais après, les gifs, j'ai toujours dit, les gars, que les gifs, ça se méritait par un défi ou quelque chose. Donc, il faudra gagner... Faudra peut-être gagner un concours. Comme on a fait pour la honte du WAM. Sinon, c'est trop facile. Je suis désolé. Le docteur Nintendo a failli m'amadouer. Alors, voyons voir cette ville. Vue de haut, ce que ça donne. Ok, il y a bien un colisée. Il y avait carrément espèce de d'aqueduc tout autour aussi. Hein. Mais après, elle n'est pas gigantesque non plus. Hein. Elle n'est pas gigantesque non plus. Hein. Les Roumains. J'aime bien dire les Roumains. Tu penses que Stowe fait la technique du pédobir? Être trop gentil et donner des bonbons pour Ken. Vous avez vu comment je fais les traductions pour pas me faire Ken par Twitch? Je viens de regarder, mais oui, les Romains ont débarqué des 55 avant Jésus-Christ. Donc les Romains sont bien montés en Angleterre, les gars. Et ma 207, elle est où? Comment ça, je te mamadoude? Il a voulu mamadouer. Mamadoude. Mamadouer. Messieurs, il nous reste 13 minutes de live. Qu'est-ce qu'on fait pour ces 13 dernières minutes? Est-ce qu'on lévite dans le ciel tel... Dalsim dans Street Fighter 2. Regardez-moi ça, sans déconner. Il vole. Il vole sur la crête de la statue. Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? Honteux, Ubisoft, honteux. Et ta main, qu'est-ce qu'elle tient, ta main? Elle tient tes bourses? Sans déconner. Après, il y a bien eu Astérix chez les Bretons. Effectivement, je vous avais dit qu'ils avaient été en Angleterre pour Astérix. Putain, mais regardez-moi tous ces points à faire, c'est énormissime. Rigole, chef Puma. Tiens, on va aller faire ce point là, pour le moment. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Allons-y. Est-ce que c'est une quête annexe? Pour une fois qu'on est en ville, ça fait plaisir. Mais ils ont dû... Franchement, la map de ce jeu, ils ont dû la faire très rapidement parce qu'il y a très peu de détails. C'est que de la forêt, pratiquement, Assassin's Creed Valhalla. Ah, ça a l'air d'être une quête annexe. Ils font des offrandes. Mais ils font des offrandes à qui? Le journal, c'est un désastre. Le pire événement de l'histoire de l'humanité. Les Glimin ont rompu leur lien d'amitié et de composition. On dit que c'est la faute de cette maudite Ostrild. Elle a intrigué et a mené Sinwulf et Issan à se disputer comme des chiens. Le désespoir m'accable et je ne peux qu'espérer revoir revenir des jours enchantés par la musique.
D'accord, c'est une quête annexe. Je n'ai rien compris. En plus, ils font que pleurer et m'énervent. J'ai une théorie, nous dit Dr Nintendo. Pour les bugs dans la série, on est d'accord que c'est une simulation. Et dans les simulations, il peut y avoir des bugs. Donc les bugs sont canons dans l'histoire. Voilà, oh là, cette quête, j'ai eu un énorme bug et j'ai jamais pu la finir. Mais déjà, je peux rien faire là. Je ne sais même pas quoi faire. Mais ils font que pleurer, m'énerve. Ils font que pleurer, les gars. Ben, c'est à toi de trouver quoi faire, quand même. Parce que c'est une simulation, donc c'est normal. Attendez, je vais relire. C'est un désastre. Le pire événement de l'histoire. Les Glimmens ont rompu leur lien d'amitié et de composition. On dit que c'est la faute de cette maudite Ostrid. Elle a intrigué et amené Seawolf et Isan à se disputer comme des chiens. Le désespoir m'accable et je ne peux qu'espérer voir revenir des jours enchantés par la musique. Est-ce que je peux avoir des indices, chef Puma ? Je dois passer de l'autre côté. Porte barricadée, ça doit être pas loin. Lui dis pas. Ça, il va leur décocher une flèche pour qu'ils ne pleurent plus. Il va être bloqué depuis l'autre côté. Alors, est-ce que je peux péter la vitre quelque part ? Est-ce que je peux péter la porte ? Non, je ne peux pas péter la porte. Si elle est bloquée de l'autre côté. Il n'y a pas de trou. Très bien. Ah si, par là. Professionnel gaming, les gars. Et pourquoi je peux pas rentrer? Il y a un trou gros de 3 mètres. Pourquoi je peux pas rentrer? Ah, c'est bon, j'ai trouvé la manip. Il y a un indice pas loin. Je sais plus si c'est une lettre ou une personne à qui parler qui t'indique une position de chaque musicien. Putain, c'est pas un indice, c'est un spoil, ça. Putain, mais ça, regardez, c'est un bug, la nouvelle quête vengée d'Odoko, sans déconner. Moi, j'ai un peu oublié, donc je sais plus trop, il me dit, hein. Alors attendez. Attendez, il y a un objet ici. Il y a une lettre. Rago. Ya. On dit que Cinewolf a eu des démêlés avec des gardes et croupit maintenant en cellule. Quelqu'un prétend avoir vu Kit, mais ce n'était qu'une nonne qui demandait l'aumône. Isan joue toujours près de Ludenwick. D'après les critiques, ses nouvelles œuvres sont assez lamentables. Très bien. Très compliqué, là. Très compliqué, là, cette histoire. Oh là là, à mon avis, pour retrouver ces trois chanteurs, à mon avis, il va falloir fouiller de fond en comble Londres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut se fondre. On peut se fondre sur les tables. Salut les gars, ça va? On se boit un verre? Bande d'ivrognes. Ah oui, là, ça va être compliqué. Écoutez, Je pense qu'on va se choisir un dernier objectif. Tiens, il y a vraiment beaucoup de trucs, hein.
Ça, c'est quoi cette quête là? Je suis où sur la map? Je sais même pas où je suis. Je ne sais même pas où je suis, les gars. Ah si, je suis là. Donc ici, c'est quoi là? On va voir c'est quoi ce point là. On va aller voir ça. Ah, Kit! J'entends Kit, les gars. Oh, attendez, j'ai entendu Kit. Est-ce qu'il est dans la maison? Et vous avez vu Kit comme moi, là? Il est là. Dieu est bon, Dieu n'est qu'amour. Mais comment tu le trouves, sans déconner? Mais j'ai un peu oublié. Ce point, c'est celui du reportage. Oui. Alors tu l'as regardé, le reportage sur la fistinière. Ça fait plaisir, Docteur Nintendo. Attendez, oh mais tu vas galérer. Tu galères à le trouver en fait. C'est par là que ça se passe, c'est sûr. Non, j'ai pas... Non, j'ai pas pu. J'ai pas YouTube adulte. Il n'y a pas besoin d'être adulte pour regarder ce reportage. Il y a des gens, ils ont des délires plus que bizarres quand même. Ah, je savais que Chef Puma, ça allait l'intriguer. Je savais. Putain, mais comment tu le trouves, ce couillon, là? Tu l'entends parler? Tu l'entends parler? Oh, ça va être une galère. Moi, il me demandait ma pièce d'identité ou ma carte de crédit. Les trois boules de pétanque et les 3 mètres de chaîne, elles m'ont tué. Les produits sont désinfectés et mis sous cellophane. Ils m'ont tué. Est-ce que c'est lui là-bas? Je suis passé à côté 3 fois. Ah ben c'est lui. C'est lui ou pas? On entend là. Il n'y a rien pour t'aider quoi. Y'a vraiment rien pour t'aider. Cathédrale Saint-Paul. Oh là là, on arrive à la fistinière, les gars. On arrive à la fistinière. Là, on ne l'entend plus parler. On l'entend encore, mais c'est quoi? C'est un bug. Et là, avec le brouillard, on n'est pas dans la merde. Non, mais ils se foutent de moi, clairement. Il se fout de moi, il est introuvable. Il est introuvable, cet enfoiros. Introuvable.
Bah, j'ai trouvé des baies. En tout cas, ça, ça fait plaisir. Inspecte les alentours, Zénine. C'est pas possible. Moi, je crois que j'ai plus besoin de carte d'identité comme j'avais rentré ma carte sur Twitch directement liée à mon compte Google. Non, mais je te jure, j'en avais marre. Après avoir trouvé les trois musiciens, mais une fin de quête qui bug. Ah oui, non, mais tu as dû galérer. C'est là où je me rends compte que t'as galéré. Salut Anto, comment ça va? Bienvenue à toi. Mais c'est là où je me dis que t'as dû galérer, chef Puma. Quand je vois la difficulté que j'ai à trouver les trois musiciens, là. Surtout que... On l'entend parler, il s'appelle Kit. Mais il est où, ce con? J'ai besoin de ta vue, mon ami. Il n'y a aucune aide. Là, c'est des enfants qui parlent. Non, j'ai pas tant galéré que ça pour les musiciens. Non mais c'est pas normal. Kit, je savais pas que tu jouais à K2000. Ou Kit Harrington, c'est peut-être un... C'est peut-être un clin d'œil à Kit Harrington qui joue Jon Snow dans... Dans Game of Thrones. Regardez, quand j'arrive ici, j'entends Kit parler. Mais il est où, ce con? Dieu, hein, Dieu, hein, Dieu. Ça veut dire qu'il est dans la... Il est dans l'église, s'il est en train de prier. Il est forcément dans l'église. Le mec, tu l'entends en train de prier. C'est pas possible. Ah, attendez, là-bas, il y a des points. Il y a des points ici, les gars, attendez. Il y a une bulle de dialogue. Trop utilisé, la pauvre. On veut du stock. Il a tenté quoi? Ah oui! Please try redeem later. Normalement, il y a un autre indice pour des endroits plus précis, car j'avais vraiment pas autant galéré quand même. Attendez, parce que là, j'ai vu quelqu'un avec qui discuter, là. C'était par là. Voilà, ici. Ah, ben il est là, le musicien. Dieu n'est qu'amour. Dieu empêche que l'on me frappe comme un sourd. Ah, c'est une femme en plus. On veut la femme. Trop utilisée, la pauvre. Merde, désolé, Anto. Je voulais te payer une femme bien armée, mais il n'y a plus. Viens, on va manifester. La femme est conçue par Sony pour qu'elle soit en rupture de stock. Dieu est bon. Dieu n'est qu'amour. Dieu empêche que l'on me frappe comme un sourd. Je n'avais jamais vu de nonne jouer d'un tel instrument. C'est à l'église que j'ai appris la Tegel Harpa. Pour faire fortune. J'ai quitté le Seigneur pour une vie de péché. On nous appelait les Glimènes, les meilleurs bardes de Toulunden. Notre musique arrachait des larmes aux statues. Mais tout cela est fini. Le Seigneur m'a rappelé à son troupeau. J'ai supplié Izan de venir avec moi, mais elle préféra le diable et la boisson. La musique et les dés furent sa perte. À l'image de ce Kinewolf. C'est à leur bêtise, à tous les deux, que je dois mes soucis d'argent. Tu as des dettes assez élevées pour que tu doives te cacher. Comment oses-tu laisser entendre que je me sers de ma robe pour échapper à ceux qui briseraient mes instruments pour 50 pièces d'argent? Et je vais te racheter ta dette. Allez, c'est bon. Go faire ça vraiment dans le One World demain, avec un panneau en bois. Vendredi, je reviens des vacances pour manifester devant le Capitole. Demain, manifestation.
Allez-y les gars, c'est un très bon scénario RP. Hein. Monsieur le maire est là pour vous écouter, ne l'oubliez pas. Je vais racheter ta dette. Je peux te donner. Prends ça maintenant et v'là ton chemin. Mais pour ce prix, je veux entendre les Glimmens jouer une dernière fois. Oh, tu es la tentation déguisée en rédemption, étranger. Les dés m'ont cruellement manqué. Peut-être Dieu a-t-il d'autres projets. Parfait. Mais il m'en reste encore deux à trouver, les gars. On n'est pas dans la merde. Hein. Elle va son chemin rapidement, quand même. Hein. Il y avait d'autres indices ou pas? Je vais galérer à les trouver. Hein. Je vais galérer à les trouver, c'est sûr. Ils étaient proches de la place publique ou pas? Donc ils sont ici. Là, ok. Mais ce n'était qu'une nonne qui demandait l'aumône. On dit que Simon a des démêlés avec des gardes et croupit maintenant en cellule. Où c'est qu'il y a des cellules? C'est dans l'église, non? Issan joue toujours près de Loudenwick. D'après les critiques de ses nouvelles œuvres, près de Loudenwick. Isaac, il joue du couteau dans le vagin de sa mère. Il y en avait certains un peu plus. Kit, c'était la plus proche, je crois. Putain, mais t'as une mémoire de fou, hein, chef Puma. T'as vraiment une mémoire de fou. Alors, j'avais une question à vous poser. Puisque j'ai trois personnes. Bon, franchement, Dr. Nintendo, Anto, chef Puma, vous êtes les personnes les plus fiables pour la question que je vais vous poser. Est-ce que ça serait pas mieux de faire le Minecraft RP, pardon? Est-ce que c'est pas mieux de faire le Minecraft RP le samedi soir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben elle m'a marqué cette quête avec le bug surtout. Ben oui, j'imagine bien, chef Puma. J'imagine bien. Allez, je vais encore me faire une petite quête annexe, mais là, franchement, je crois que je préfère faire un... un artefact, plutôt, hein. Pourquoi les artefacts, ils brillent plus, là? Elle va être galère, cette quête, clairement. Elle va être galère, cette quête. L'abbaye de Loudenwick, c'est ici les gars. C'est ici. On va trouver un... Oh là là, on va... Je vais appeler le cheval. Alors, je vais voir vos réponses. Alors, Dr. Nintendo, il dit oui. Le samedi soir... En vrai, ça serait mieux, je pense. Le samedi soir, je préfère, oui. Sauf si j'ai des soirées prévues. D'accord. Et Anto, il en pense quoi? Parce que moi, je vous dis la vérité. Je préférerais glisser. Parce que le vendredi, je suis éclaté de ma semaine de boulot. Il faut enchaîner avec Minecraft, mettre de l'ambiance et tout. C'est assez compliqué. Et je me dis qu'en plus, si on le fait le samedi soir, on peut le faire peut-être plus tard. Parce que généralement, les gens, ils travaillent pas le dimanche. Donc, on pourrait attaquer même 22h30, 23h. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est sûr, il y a un musicien ici, les gars. L'abbaye de Loudenwick. Il y a un musicien dans le coin, les gars. Va, ma fille. Deux, j'ai dû actualiser ma page Twitch car j'avais un bug d'affichage.
Oui, pour Minecraft, tantôt. J'aimerais passer Minecraft le samedi soir. Qu'est-ce que tu en penses? Attendez. Est-ce que c'est elle? Approche, viens voir mes marchandises. Viens voir mes gourdes! J'ai pas le temps avec ça. Je veux au moins trouver le deuxième musicien. Ludenwick, c'est ici. Franchement, ça me change pas trop. Mais je préfère le vendredi après, même si c'est samedi. Après, en soi, ça me gêne pas trop. Ça dépend de la dispo de tout le monde. Et puis même, le samedi, je pense justement que niveau disponibilité, c'est mieux. Exact. Après... Je pense que s'il y a une période d'essai pour le Realm, je pense que je vais peut-être ouvrir le One World dans Realm, les gars. Mais juste pour voir l'essai, si ça fonctionne bien. Tunnel secret. Il paraît qu'il existe une salle secrète menant à une crypte regorgeant de richesses en dessous. Mais c'est difficile à dire parce que nous, on chasse toujours. Très bien. Par contre, je vois toujours pas de musicien. Et puis même... Ouais, ça c'est bon. Je l'ai déjà lu. À voir les gars. En tout cas, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et ça pourrait libérer le vendredi pour des jeux normaux. Darwin à Stowe. Cher Stowe, si tu pouvais persuader les gamins du coin de cesser de retourner le cimetière à la recherche des trésors, je t'en serais éternellement reconnaissant, frère Orvin. Ouais, il est plutôt apprécié, Stowe, dans cette... En Realm. Wow. Mais oui, je crois qu'il y a une période d'essai, non? Oh, attendez, c'est quoi ça? Non, c'est rien du tout. Ça, c'est un vendeur. Là, c'est s'asseoir avec le groupe. Mais tu peux inclure que 10 joueurs prédéfinis dans les Realms, non? Ben oui, mais j'ai envie de te dire que on est une dizaine à chaque fois. Hein. 10, c'est déjà pas mal. Hein. Je mets le 7 max player à 12 en ce moment, mais à un moment donné, je le mettais qu'à 10, hein, le 7 max player. Est-ce qu'on ne serait que 10 sur la map? En soi, est-ce qu'on ne serait que 10 sur la map? Et je sais pas. Je ne trouve pas de... Ah, les gars, on est bon là, non? Voilà. Hey. Augusta la joyeuse. Tu connais la joute verbale? C'est une... Ouh, joute verbale, les gars. On va finir avec ça. Oui, je connais. Alors, je te défie. Mais sache-le, cette joute est différente de toutes les autres. Comment ça? Eh bien, pour ce duel-ci, tout est inversé. L'injure est un compliment, la bonté, une plaie. Si tu désires m'attaquer, eh bien, montre-toi aimable. Oh, c'est... Ben oui, ils ont voulu faire une genre de joute verbale gentille parce que c'était une enfant, en fait. Wam, tu lis mal ma phrase. En soi, est-ce qu'on serait... Attends, parce qu'elle est compliquée ta phrase.
en soi, est-ce qu'on est ne serait-ce que 10 sur la map? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je disais. Hein. J'ai du mal à le lire, donc je comprends. Il est... Ouais, non. Après, Docteur Nintendo, c'est vrai que... De toute façon, le 7 Max Player, je le mettais à 10. Donc, au final... Quelle belle requête venue d'une femme respectable. Quelle belle requête venue d'une femme respectable. Oh, charmant. Veux-tu parier? On va parier 200, les gars, on est des fous. Voilà ma mise. Après toi, l'ami. Ma foi, je dois avouer que j'envie ta beauté. Merci, mais la tienne, je ne saurais égaler. Merci, mais je ne saurais égaler la tienne. Lamentable. Mais non, ça rime pas, je suis trop j'ai con. J'ai ressenti des frissons lorsque tu as accepté. Si tu me crois poli, tu ne seras pas ravi. C'était quoi sa phrase déjà? C'est un plaisir de faire connaissance, femme. Ta valeur est vantée dans de nombreux récits. Ta valeur est vantée dans de nombreux récits. Magnifique! Tu as du talent pour la joute et la rime. Tes vers sont atterrants, dignes de l'abîme. Il ne serait rien sans ton don si sublime. Il ne serait rien sans ton don si sublime. Ah, tu as un vrai don. Cette joute, joie de l'esprit, instant merveilleux. Ta cadence, que dis-je, tes rimes, j'aime autant les deux. Oui, cela a été un instant de bonheur d'oublier ainsi les... Donc j'ai gagné parce que j'en ai réussi 2 sur 3. Bien mérité ceci. Ça n'a pas la même ambiance quand même, une joute verbale positive. Et on a gagné du charisme en plus. Extraordinaire. Mais une fois que t'es sur la map, tu peux remettre un 7 max player plus haut. J'imagine que c'est quand tu es hors ligne que tu peux choisir que 10 qui pourront rejoindre n'importe quand. Oui. Et je pense que je dois rentrer vos pseudos. Et ça serait nominatif. Donc à voir pour le Realm, franchement à voir. Pourquoi pas, c'est combien? C'est 10€ par mois? On pourrait essayer de manière périodique au pire. Quand il y a des Whammers qui ont des trucs à faire sur la map. Il faut avoir une putain de confiance quand même. Hein. Parce que si le mec il détruit tout, c'est complexe. Hein. Est-ce que quand t'arrêtes le Realm... Et le problème du Realm, les gars, pour 10, c'est 8€, ouais. Mais le problème du Realm, je crois, c'est que quand tu l'arrêtes, tu perds ta sauvegarde. C'est-à-dire qu'il te force à continuer à payer pour travailler la map. C'est ça le vrai problème du Realm. Alors que quand on joue sur ma map de la console, ben les gars, elle est sauvegardée, quoi. Le Realm, je crois que c'est ça, hein. C'est ça le problème. Hein. C'est ça le gros problème du Realm. Hein. Quand t'arrêtes l'abonnement, je crois que ta map disparaît. Tu ne peux pas la sauvegarder. Hein. Bon, je trouve pas le couillon. Il traînait à Ludenwick. Bon, on va faire le point de synchronisation et on va s'arrêter là puisqu'on a, on vient d'atteindre les 2 heures de live. On va pas faire plus. On synchronise et alors c'est que de la verdure hein, si on regarde bien Assassin's Creed Valhalla. Hein. Certes, il y a beaucoup de petits villages et de petits hameaux. Et c'est beaucoup de verdure, hein, mais ce plan est magnifique. Hein.
Là, c'est on peut se quitter là-dessus, c'est magnifique. Hein. C'est la classe à l'Asda. C'est la classe à l'Asda. Mais après le Realm, tu peux peut-être faire une copie de la map. Après le live, je me renseignerai, à moins que Chef Puma trouve avant moi. Non, je crois que le Realm, tu sauvegardes pas. Hein. C'est sauvegardé sur le serveur, et dès que tu arrêtes le Realm, eh ben en fait, soit la map elle est perdue, soit tu reviens un an plus tard et tu réactives ton Realm, et la map est sauvegardée sur le Realm. Tu vois, donc il va falloir se renseigner, les gars. En tout cas, un grand merci Docteur Nintendo, un grand merci Chef Puma, un grand merci Anto, un grand merci T41 d'avoir été présent ce soir. Alors, you will be able to purchase and download any world template saved to your Realm and cloud storage within 18 mois après la fin de la subscription. Donc c'est bon. J'espère que vous comprenez l'anglais, mais normalement tu peux sauvegarder les maps. Oui, vous serez capable de retélécharger. Alors vous serez capable de purchase, ça veut dire payer. Hein. Vous serez capable de payer, de télécharger n'importe quel monde sauvegardé dans le Realm et dans le cloud après 18 mois. 18 mois après la fin de votre abonnement. They are no longer offered by Minecraft. C'est incroyable. Cet anglais incroyable. Va te coucher, Shakespeare. Franchement, c'est pas faux. Allez. Bon, ben, on a la réponse. Merci beaucoup, Chef Puma. Donc, c'est à voir, à y réfléchir. 18 mois en même temps. C'est honnête. C'est honnête, 18 mois. Ça fait un an et demi, je crois. Hein. On verra bien. C'est à y réfléchir, en tout cas. Ou au moins à essayer. On verra bien. Un grand merci à vous d'avoir été présent lors de ce live. Je vous donne rendez-vous demain soir normalement pour Minecraft RP. Un grand merci à vous. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro. À la revoyure dans la voiture. Et à jamais dans le tramway.